Bon, c'est parti, les amis, je vais avoir besoin de vous parce que là j'ai une partie compliquée. Je suis contre Aldé qui joue donc Trinidad top. Et j'ai des teammates assez particuliers. J'ai Mikix qui est très bon. Malheureusement, il joue Galio support, je sais pas pourquoi. En plus, de ça, on est contre Kog. Donc, c'est pas forcément ouf. Après, voilà, j'ai la capacité de mettre le trap sur le taunt, donc je sais pas pourquoi pas. Le truc, c'est que mon midliner first time son champ, mon top aussi. Et il a lâché un truc en mode Singe got hot fix. Donc, il a l'air très au courant. Et mon jungler joue Kayn qui a l'air un peu pourri. Voilà, on dit comme on pense. Et il a fait 3 games sur le champion. Donc bah, ça promet quoi. Il va falloir la porter cette game. On va essayer de faire de notre meilleur. Je joue Warland. Je suis en train de dire what the fuck, ce que c'est burst de MS. Ok, il a start de Ranchill sur Kog'Maw. Essaye de se placer pour éviter le Q-spell de Karma. Ok. 6 sur 6 pour le moment, 1-16 d'avance sur notre adversaire direct. Nice, parfait, j'ai gagné le trade. C'est quoi ces graises? On va jouer safe et prendre le filet. Ok, il va aller voir de tri. Bon, ça à Mikix, je lui fais confiance, même si son winrate est vachement faible sur Galio. Je lui fais confiance que c'est vraiment un bon joueur. La dernière fois que j'en ai avec lui, c'était pas super bien passé. Je l'avais vendu en mode. Lui, il est fort et tout. Il avait pas int la game, mais c'était pas loin quoi. On sentait qu'il voulait plus la jouer cette partie. Hein. Non. Bon, j'ai raté 2 creeps. Après, un des 2 creeps, c'est mon support qui l'a pris, du coup ça va. Ok, tapis se fait first blood. Ah, c'est pas ouf comme trade ça. Il a Doran Chill aussi, du coup on va sustainer à valeur équivalente et il a trade mieux que moi. Enfin, il a fait plus de dégâts qu'on a trade 2 autos, mais lui il était sous shield plus W. Et moi, bah, j'avais rien du coup. Avec mon support, c'est Galio. Hop, c'est esquivé. Ok, il va tenter un trap. Pas un trap. Il va tenter un gank. S'il si tonne flash, bah je trappe quoi, mais. Ouais, il prend son temps. Hein. Ok, c'est parti. Coup de tour était pas prévu. Je vous le dis. Si vous ne le saviez pas, ce coup de tour n'était pas prévu, dans les calculs là. Hop. Je vais back, hein, tant pis, j'aurai pas ma BF. Allez tiens. Dans ta gueule Karma. Tu la ramènes moins à ta gueule maintenant hein. Bon ça va, on a pu prendre un kill, bon c'est pas ouf. Le kill est parti sur Kayn, je sais pas du tout si le perso snowball, j'en sais rien. J'ai joué 2 fois contre Kayn, les 2 fois c'était joué mid par Magi Félix, si vous connaissez. Très très bon midlaner. Alors les 2 fois par contre les dégâts m'ont vraiment surpris. Genre il mettait des bursts, c'était insane hein. Vraiment assez étonnant, le problème c'est que bah, ça restait de la merde en fait. Il avait beau taper fort, j'étais juste là en mode oula ça fait mal, mais son perso ça restait de la grosse merde. Du coup il a snowball un peu, il a pris quelques kills et puis dès que j'ai compris que bah, il faisait mal et comment il faisait mal, bah, il faisait rien, il faisait plus rien. Donc je sais pas.
On va voir si lui s'en sort un peu mieux. Espérons, hein, il est dans mon équipe. Hein, donc, à poser ni vu ni connu, on esquive le Q-spell. Voilà, on prend le trade contre Karma, on sait jamais si elle marche sur le trap. Je pense pas qu'elle meurt, il lui faudrait une auto de plus. Chaud. Je vais aller voir Tree, je pense pas que ce soit pink. Si c'est pink. Il reste une pink aussi à Cog. J'ai 3 creeps d'avance en fait. Après Galio c'est pas le meilleur. Pas le meilleur support pour pressure, j'ai pas mis le meilleur trap non plus. En fait le knock-up est plus long que ce que je pensais, hein. Je pense que je peux trap sur le knock-up. Hein. Je vais try mais... Genre si entre guillemets je précasse le truc et que je pose le trap en prévention de là où Kog'Maw va se faire cesser, je pense que ça passe. Chercher le petit fruit. J'espère qu'ils sont encore là. Voilà, c'est mes fruits ça. Allez done. Tiens, je t'en laisse. Ah, c'est la mort. C'est ma double flash. Il a heal, ouais, il a heal aussi. Ok, ils prennent 2 kills. Je pense que c'est une Gemma, tu passes des cogs, ouais. Est-ce qu'on fait ta vie? Oh là là. On va faire bot berserk, je pense. T'as mal focus, mais je pourrais rien faire. À partir du moment où il y a Graves, dans tous les cas, on pouvait rien faire du tout. Juste, je pensais que j'avais un deuxième trap. J'en avais qu'un seul. Un de dispo. Sans partir du moment où on se fait counter gank. Enfin pas counter gank, à partir du moment où on se fait gank sur le trade. On peut pas faire grand chose, on aurait quand même réussi à leur faire utiliser deux flashs, qui est pas mal, parce que je pense que vous avez besoin de ni l'un ni l'autre. Ouais, tu vas rentrer à la base à pied. Ok, ils ont le first blood top. Ouh, c'est qui? C'est Cog. On a notre flash maintenant, ils ont plus de sumbot. On a encore le flash Galio, faut que je fasse gaffe, faut qu'il n'y ait pas une Karma qui arrive là par la lane. On va essayer de jouer la pression même. C'est du bon. Qu'est-ce pas si du que ça. Ah! Super greedy cette œuf que je suis en train de prendre. Pff, on en est, hein. Autant greed jusqu'au maximum, hein, du potentiel, hein.
Il y en a sur Cassio quand même. Ok, là, doit partir mid. Je mets pas des super traps là avec, avec Galio. En fait, j'ai du mal à estimer le temps du CC. Que ce soit le taunt ou que ce soit le knock-up. C'est la première fois que je l'ai avec un Galio sup en jouant Kate. J'ai vraiment besoin d'avoir un bon timing. Je vais essayer de me concentrer là-dessus la next time. Après ça, j'ai 25-16 d'avance quand même. J'ai le back sur ma BF, c'est pas mal. Avec les bots rang 2, c'est vraiment pas mauvais. Dommage, ça donne des kills à Kog encore. Je crois pas qu'il puisse les 1v2 là. Après, il n'y a pas d'ulti, non, il n'y a pas d'ulti Galio. On a toujours les deux sums sur Galio. Vite. Ok, nice. TP pour rien. Faut juste pas fight hein. Ah, il t'a tenté contre RC Mur, voilà, parfait. Je lui dis nice là, on sait jamais. Là. Ah oui, d'accord, ça part aussi loin quoi. Je pense qu'elle est encore l'ult. Ok, on va décaler bot tranquillou. C'est des wards ça. C'est quoi comme item Kog? Il fait BRK. Ça va, c'est tout le monde la merde, BRK sur pas bon. Fais gaffe, on a pas d'infoterie. Il reste une ward. Vas-y, juste je te donne la pression. Je pense c'est pink. Oh non, c'est même pas pink. Nice. Je peux poser une petite ward, bro. Ils ont pas de trinket rouge, ils ont pas de size stone. Enfin, de size stone de pink. C'était propre ça. J'ai une lampe panique. Je suis bien caché derrière les creeps, faut def ça par contre. Elle est morte, hein, c'est une question de temps. On peut juste choisir à qui est-ce qu'elle va donner kill. Et qu'elle le donne à qui. Je pense qu'elle a raison. C'est le choix que j'aurais fait à sa place aussi. Bon bah con. C'est quel Drake? Drake Do, moi je me casse hein, je suis désolé. Drake est pas suffisamment bien pour que je stay. Hop. Hop. Ah le Nesquik qui fait un peu mal celui-là. Putain, c'est pas grave. Bon, Kane est en 6-2 pour l'instant, il a un bon impact sur la game. On va voir comment il scale. Il part sur la ITT, j'espère qu'il va faire Drake Tar first. On va voir, en tout cas voilà, on a une tour d'avance. T'es le top qui a pris quand même masse dégâts sur la TP de Singe. Allez, il commence à arriver doucement sur ses power spikes, là ils sont statiques. Moi j'ai mon IE. Je sais que je suis. Enfin, jusqu'elle vachement bien contre leur compo. Juste Kog'Maw qui va être un peu chiant. Mais genre le reste, contre Graves, Caitlyn c'est trop fort. Contre Trinda, franchement c'est vraiment pas mal. Surtout il me faut juste un tout petit peu de pile en support. Et j'ai Galio donc c'est parfait. Je pense pas qu'on pourra le kill. Faut que j'ai de la... Ouais non c'est trop deep, tu as raison de cancel. Je pouvais pas. Ok, Karma dans le coin.
Fuck, j'avais pas la range pour trap ici. En haut avec la plante tu peux tomber là, j'espérais qu'elle la prenne comme ça. Parce que c'était la seule possibilité que j'ai pour aller chercher le kill. Désolé, j'ai un peu troll. Je crois juste en kill auto. Bien joué. Bien joué à tous. Le truc c'est qu'il fait des bons rôles mais on perd beaucoup à chaque fois. Le Kaldé il stay top. Au point on en est, let's go. C'est deep là bro. Oh non, j'ai pas eu le kill, putain. Chier. On aura mis quand même les bons traps, mais j'aurais vraiment bien aimé l'avoir celui-là. Plus que tous les autres, je pense. On va vous trinquer ici pour vérifier. Je pense normal, là il va faire les golems, mais on sait jamais qu'il change d'avis, qu'il décide de venir me frapper. Hop là, on va back. Nice. Petit kick sur Aldi. Ah, il a l'Hérald aussi, j'avais pas vu ça. Il l'a pris quand? À 16-27. Donc il descend à 20-27. Enfin, il fade à 20-27. Parce qu'on peut récupérer la terre à top là-dessus, c'est pas mal. Je suis assez bien dans la game, moi, honnêtement. J'ai pas un farming ouf. Mais ça reste assez solide. Je vais me diriger vers le top side. 3-1-6. 154-16. Je mets 46 à mon adversaire. Est-ce qu'il le tue là? Il se heal sur l'ulti ou pas? Non, pas quand il. D'accord. Je crois qu'il faut une forme particulière pour se soigner sur les dégâts qu'il inflige. Je taxe un peu mais je vais pas tout faire. Ah, ça n'a pas crit. Je deny la plante ici. J'aimerais bien récupérer le raid aussi. Est-ce que je peux enlever un cog? Sans statique je pense pas encore. Multi bro. Putain ça veut pas crit hein. Ok, excellent ult. Fuck. Je pouvais pas t'aider mec. Il est parti. Mais je mets 5 autos sur Y, je crit pas, je viens de mettre 4 critiques d'affilée sur les creeps là, c'est un délire ça. On va back, on va prendre le statique, dommage qu'il soit mort. Je pouvais pas l'aider malheureusement parce que mon cog est parti loin une fois qu'il a été ulti. Prochain règle c'est quoi? C'est R, les Heralds a été utilisé mais ils ont pas pris de tour avec. Peut-être la Terra Bot, elle était déjà tombée. Je me rappelle plus si la Terra Bot était tombée ou pas. Ok, flash Cassio. Kaldé a lieu maintenant, il va falloir le respecter. J'ai deux items aussi par contre. Ok, je pense qu'on peut prendre la T1 là. Je meurs pas sur lui. Ah oui quand même, putain ça a mis beaucoup quand même hein. Moi j'ai bien fait de heal, toujours mieux de heal que de flash. Parce que je suis entre dessus, j'ai évité de mourir dans une petite grève.
Je me heal avec le raid, donc je vais juste sustain un petit peu sur les golems là. J'ai pas de... Enfin, j'ai le... Un petit peu de sustain sur en maîtrise, c'est très léger, mais... En fait, ça me fait surtout continuer à farm. Tout en ayant la régène du red buff. Kane est mort. C'est de récupérer cette T1 top. Vidéo qui se bat dans la jungle, là je pense qu'il va crever lui aussi. J'aimerais bien juste récupérer la tour. La flash. Oh. C'était pas fameux. Ace. Ouh là 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 là. Je vais vendre ça. Hop là, on avance sur le stub, on va vendre ça aussi du coup je pense. Faire attention à ça là. C'est possible qu'ils décalent dessus, ils ont beaucoup de dégâts avec Kog, Kog Cassio. C'est un dommage. Ils ont plus de smite. Il a failli en avoir un troisième hein. T'as le droit d'appuyer sur eux, mec. Putain, si je l'ai dit faux. J'ai dit first time son champion, c'est pas à moitié. Hein. C'était point une blague. T'as une, t'as les débats. Non, pas du tout. Ça a fait du 1 pour 1 et ça aurait dû faire du 2 pour 1. Si. Merde. Si Syndra avait pas mis play de move, elle aurait dû tuer Cassio, mais. Elle a un peu de choc. Toi qui va keep là. Ok, je vais rester mid. Bientôt mon rapid fire. Ok, on va back en speed. Three attempts now. Chercher mon raid, là je suis mon power spike, j'aurais pas de flash malheureusement. Kog has no flash by the way. C'est une formation importante ça. Il a sa BRK là, il commence à cogner assez fort. BRK ardente. Je mets 80 creep mais. Il cogne salement fort. Enfin, c'est vrai que c'est un délire. Hein. Je sens tellement le manque d'AS, enfin le nerf d'AS sur Kate. J'ai mis l'impression de pas avoir de bot AS en fait. C'est pas à ce point là, mais c'est presque ça. Oh fuck, ça peut pas durer assez longtemps. Ok, si j'ai mort. On va lui voler celle où du coup ça va. Il meurt du raid normalement. Putain, j'ai pas de trinket bleu. Pour ulti LD. Ah, il meurt pas. De toute façon, j'ai pas d'ult en fait. Pourquoi je pensais que j'avais un ulti? Peut-être Aldé dans le coin là. Celui qui tente de mettre low HP dans le coin, c'est possible que celui-là aussi sur le carap et tout. Bon, il était fait déjà, je pense, c'est lui. Est-ce que je peux tuer Kog là? Pas si les stacks sous Ginzo déjà. J'ai besoin de plus d'items. Faut m'abêter là. Il est pas mal tanky en vrai avec son optimisation.
Elle a fait ce Adaptive Helm. Franchement, elle tank beaucoup, hein. Non. Pas sympa. Je vais direct aller voir. Hop. Je passe à tête le bait. Crit, s'il te plaît. Putain. Je mets 0 dégâts, c'est quoi ça? Elle a pas d'armure, hein, rappelons-le quand même. Son taux d'armure se situe en tout et pour tout à 79. C'est donc l'armure de base. Ça va, Lena, je pense. Ok, elle dès la start. Fuck, ça c'était un poil trop tard. Non, il avait les 100%. Il m'use. Petite flash. Ok, pour l'instant c'est pas dégueu, on en a deux avec le Nash. Tout le monde va mourir, on en a eu trois. Franchement c'est pas dégueu, hein. On a encore l'ulti Syndra. On devrait avoir Graves, je pense. Nice, well played, well played. Only one Nash left. Parfait ça. Gérer bot, hein, quand je spawn. On y casse, got it. C'est parfait. C'était vraiment important qu'il soit plus sur Aldé. Genre, c'était super important que le speed pusher l'ait plus. Non, ça va casser les couilles de fou. Je vais courir bot, prendre la petite wave. Plus de flash sur Trin, du coup, il pourra plus me surprendre comme ça prochain fight. C'est vraiment pas mal. Je vais timer ça d'ailleurs, juste après. Si, bro, ça va, ça se passe bien en dehors de la map là. C'est d'aller chercher mon raid. On flash quoi? Ma shutdown à 27,55. Il y a 5 minutes, je pense, ouais. On time large. Hein. Même si je sais que la frame où il m'a flash, je suis insta mort. On n'est pas à 5 secondes près, autant timer ça un petit peu plus large. Ok, il est en train de fermer les gelées. J'aimerais bien avoir absolument tous les CS. C'est vrai. Je sais que c'est beaucoup demandé, mais il me les faut. J'ai peur qu'Arma elle foutait quoi. C'était nas. J'ai panic heal. Pas sûr que je mourrais du raid. J'arrive, j'arrive. Ouh là là. C'est pas le bon timing pour fight. Ok, Trina qui décale heureusement. Heureusement, heureusement qu'il est pas resté top. En fait, j'avais vraiment peur qu'il continue top et qu'il prenne l'inhib. Ça fait du 1 pour 1. C'est quoi, c'est Graves, jungle contre jungle. Salut bro.
bientôt ma BT. Il y a le dé qui arrive là. Je vais aller acheter ma BT. J'ai pris trop de dégâts du W en plus de Cassio. Oh, Syndra. On a Kane, on va devoir lâcher l'inhib. Je pense. Ok, ils vont bot. Ça va. S'ils vont bot, ça va. Cassio qui va top aussi. Bah écoute, bien joué à toi, bro. Excellent, excellent. Pas encore perdu d'inhib, hein. C'est ni même de T3, donc la game est encore possiblement. Enfin, tout est possible, quoi. C'est un délire. Ok, flash Cassio. Ok, nice. On forme ça. Est-ce qu'il y a de l'armure en face? 0 armure, 0 armure, 0 armure, 0 armure, 0 armure. Ok, bah très bien, pas besoin de la Swisper. Peut-être faire de l'attaque speed. Je fais danseur fantôme. Maillet gelé. Je sais pas trop quoi build là. Je vais faire un danseur fantôme. Ce qui me semble avoir le plus de value. J'ai un peu overcap en crit. J'ai fait 15-10 mon jungle. On a donné de l'argent à l'équipe adverse. Hein. Vas-y, je vais back. Je vais prendre un zèle. On a les 100% GA, non on s'en fout de GA. Dans ce fantôme c'est mieux, je pense, on peut mettre Ad Kate plus facilement LD. Ça me permet d'atteindre les 100% de crit. Compense le nerf aussi. Ça me met bien je pense. Ok, il a son flash. J'ai filé, j'ai voulu tempo l'auto pour juste. Ok, putain, tout le monde est mort. On tente, hein, ça passera pas, mais. Parce que je peux faire rien de TP après, mais j'ai pas de ward. Même si j'ai voulu faire quelque chose, je vois pas ce que j'aurais pu faire. Je pense qu'il y a plus de raid, hein, surtout. Ouais, je m'en doutais. Cette deuxième nage qui prend, ça va être chaud là. L'avantage étant que du coup maintenant ils vont devoir avancer. Ah putain, il y a le leader. Non. Mais meurs. Ça passera pas, mais encore une fois on le tente. Mais mourez quoi! S'il vous plaît! Est-ce qu'on met une sur le bleu, bro? Oh merde! C'est un non! Putain, je tape de toutes mes forces, mais. Ils veulent pas succomber! Comment faire?
Comment s'en sortir? Ils s'en sortent à 2 HP à chaque fois. Ça va m'aider un peu ça. Je vendrai mes bottes après, j'ai beaucoup de MS. Je pense que je vendrai mes bottes pour soit Scimitar, même si c'est pas super utile. Permettra de kite. Soit Scimitar, soit Death Dance éventuellement. Faut que j'aille me heal, hein. Je suis désolé les amis. Hein. Je prends trop de dégâts. Ok, j'arrive. Ils ont Nash et Elder, on peut pas fight sage. Hein. C'est impossible. Tu vois de quoi, ils perdent tout dans 50 secondes. Poser des traps un peu partout là. C'est une bonne image, mais est-ce qu'on a vraiment envie de le prendre ce fight? J'ai l'impression qu'on ait réellement envie de le prendre ce fight les bros. Non, ils vont m'avoir. Putain, j'aurais essayé. La flash là. Ouais, la flash. Putain, j'aurais essayé. Je pense pas que c'était une bonne idée de prendre le fight là parce que dans tous les cas, ils avaient déjà pris les inhibs. Et. Putain, on n'a pas vraiment de follow up en fait sur le go de Galio. Bah, j'aurais try. J'aurais tapé de toutes mes forces, ça n'aura point suffi malheureusement. On va honorer mes kicks. Je sais pas trop qui honore dans le game. Juste voir les dégâts. On est premier quand même. On est quand même premier aux dégâts sans ardente. Pourtant à noter quand même. Bon ça va, je pense que j'ai fait une game correcte. Hein. J'ai fait quelques erreurs quand même, mais je pense que globalement la game est correcte. Après c'était surtout l'optimisation de teamfight. Pfff, moins 20 pour ça putain. Faudrait que je revoie les teamfights en question. Ken qui a fait mal mais qui est beaucoup mort aussi. Hein. Mort combien de fois? 13 fois. C'était pas facile. Bon j'espère que cette petite game... Pardon, je meurs. Petite game de Caitlyn contre Aldé vous aura plu les amis. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. À suivre Aldé aussi sur Twitter, Facebook, YouTube et tout si ce n'est pas déjà fait. Sur son stream aussi. Alderiade partout. Et voilà, bonne soirée à vous les amis tous.